C'est l'impérieuse nécessité d'inclure les pauvres dans le processus de décision, tant au niveau national que local. Et je crois que c'est une idée importante, c'est une idée forte. Cette insertion à travers, évidemment, les politiques de logement, des politiques de l'emploi, des politiques d'éducation, des politiques de santé, en fait, et des politiques de culture. Et quand on cite ces cinq politiques, nous sommes vraiment au cœur des cinq grands services publics de la République, services publics qui doivent ensemble créer les conditions d'égale citoyenneté et de tous, et d'égale dignité de tous les résidents en France. Au-delà de citoyenneté, je pense qu'il faut aussi parler en termes de résidents, parce qu'il peut y avoir aussi des résidents non citoyens, mais qui ont aussi le droit à une égale dignité. Et c'est dans ce sens-là que la fraternité dépasse le cadre de la citoyenneté sans l'exclure.